Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver sur le plateau de l'interview Yahoo Sport. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir un champion d'Europe, champion du monde, champion olympique de handball. C'est impressionnant. Olivier Giraud, je vous vois circuler, mais depuis quelques temps déjà, avec une planche à roulettes et un moteur dessous. Parce que vous êtes trop feignant pour pousser avec les jambes. Il y a un peu de ça. C'est vrai que j'ai deux amis, c'est parti d'un truc tout bête, deux amis qui font l'écoute du monde de kitesurf. Voilà. Et qui, alors, le kitesurf, c'est roulette, c'est la voile, c'est sur la plage. Hein. Et donc, un qui est ingénieur et l'autre qui fait toujours les Coupes du Monde, Julien Taube et Christophe. Et ils avaient ce concept à skate électrique qui s'appelle. D'ailleurs, ils détestent qu'on dise skate électrique, c'est un Mavericks. D'accord. Un Mavericks. Ils avaient pris ça de la plus grande vague surfable, je ne sais pas si ça se dit surfable, et ils ont construit. C'est un néologisme qu'on vous accepte et qu'on tolère. Merci beaucoup. Donc une planche à roulettes avec un moteur, c'est ça, avec un moteur et une télécommande Wi-Fi, et ça peut aller jusqu'à 30 km/h, ça a 30 km d'autonomie. Il y en a de plusieurs modèles, il y a des modèles 4x4 où on peut en faire, un peu partout, ça passe partout sur les plages tout terrain et plusieurs modèles de ville, un modèle aussi, un petit modèle pour les enfants où ça va à la vitesse à laquelle vous marchez et avec des batteries lithium dernière génération donc qui se rechargent comme un ordinateur. Et le lancement, c'est septembre. Le 7 septembre, oui, au Quicksilver de Bercy et on sera quatre dans cette boîte et le dernier arrivant est Tony Parker parce que on va aussi partir sur les États-Unis, le Brésil. Voilà, donc ça prend un peu de temps, tout mais ça. Mais vous n'allez pas mettre de sportifs en activité sur la planche pour l'instant. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup qui sont équipés. Abdelatif Benazi. Il n'est plus en activité. Oui, c'est vrai, c'est que les retraités, hein, Grégory Coupet, on les a. Les fatigués, les feignants. Donc. On a plein de potes à qui on a passé ses skates et tout le monde s'éclate avec ça. Et d'ailleurs, on va peut-être créer, tu sais, il y a le roller tous les vendredis, les gens qui font du roller. Oui, c'est ça, en Paris, absolument. Je pense qu'on va lancer les rodéos en skate électrique dans Paris. Ah, ça, il faut nous prévenir, on donnera l'information, on viendra même vous filmer, tiens, Olivier Giraud. Ça peut être drôle. Avec plaisir. De voir Abdelatif Benazi, Grégory Coupé, Olivier Giraud dans les rues de Paris sur leur Mavericks. Ouais, ça va être drôle. Ouais. Yahoo!